Amateurs et amatrices de combats acharnés, de tournois sanglants et de viande hachée, salut, c'est Karidas. On se retrouve aujourd'hui en direct de l'Arène Unreal pour commenter ce superbe deathmatch par équipe entre l'équipe bleue et l'équipe rouge. Alors cette vidéo est déconseillée quand même aux moins de 16 ans parce qu'on est sur Unreal Tournament 3 qui normalement est déconseillé aux moins de 18 ans, mais bon, à partir de 16 ans ça passe très bien. On est, vous l'avez remarqué, pour la première fois à deux joueurs. C'est un gameplay que j'ai enregistré cet été quand je suis retourné chez mes parents avec mon petit frère. Donc moi je suis en haut, Karidas, et puis mon petit frère, Purple Poulet, est en bas. J'adore ce pseudo. Donc on est en deathmatch par équipe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a réglé les bots sur le niveau moyen, parce que je vais vous expliquer juste après. Et c'est l'équipe qui arrive la première à 60 kills qui gagne la partie. Donc je disais, ouais, j'ai réglé sur moyen parce que donc moi je joue rarement à ce jeu. Et puis mon petit frère, comme c'est moi qui ai la console, bah il joue jamais, comme je suis pas, comme j'habite pas chez mes parents. Et puis bah, en plus ce jeu, bah il y a jamais joué, donc il découvre. Et vous allez voir qu'il se débrouille bien. Là il est déjà à 3 kills. C'est ce qui est affiché en haut à droite de chacun des écrans. En bas à droite, vous avez les munitions. Et en bas à gauche, vous avez les points de vie. Au milieu de l'écran, c'est le score des deux équipes. Vous voyez qu'on est déjà à 24 contre 7. C'est de la boufferie. Hein. On explose complètement, c'est du moyen. Le point positif quand même de ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une action potable, les personnages l'annoncent et donc vous pouvez revenir, vous entendez si vous avez loupé un truc. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite, regardez l'écran de mon petit frère Purple Poulet. Superbe noscope. Enchaîné d'un deuxième directement. Double tuerie noscope, les trickshotters de Call of Duty peuvent aller se rhabiller. Non, je plaisante, mais... Il s'en sort très bien pour une première partie. Moi, je suis au Link Gun. Double multi-tuerie carrément. Alors vous voyez, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur les jeux violents. Bah voilà, ça c'en est un exemple. Faut vraiment prendre ça au second degré, c'est du défouloir. C'est pas pour ça qu'on va aller flinguer des gens. Ouais, c'est vraiment violent, ça laisse du steak à chaque fois sur le sol, à chaque fois qu'on dégomme tout le monde. Mais bon. C'est vraiment, faut prendre ça comme un... C'est très violent, mais il faut prendre ça comme un défouloir. Et c'est marrant d'essayer de commenter ça comme un match de foot, même si c'est pas forcément ce que je vais faire dans cette vidéo. En fait, je voulais vous présenter ce jeu parce que on voit tout le temps un multi-tuerie d'ailleurs par Purple Poulet. Superbe! Il a du talent ce joueur! Ouais non, je voulais vous présenter ce jeu parce qu'on voit tout le temps du Call of Duty ou du Battlefield, mais on oublie qu'il y a d'autres FPS qui sont très bons sur le marché. Il y a quand même du Borderlands qui a de plus en plus de succès. Il y a eu Bulletstorm, je pense que j'essaierai de vous faire des vidéos dessus parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et puis il y a donc Unreal Tournament, là on est sur le 3. Les autres sont sortis sur PC, hein, pas sur console, et donc là, bah, comme moi je joue que sur PS3, celui-là est sorti, c'est vrai que... C'est vrai que les puristes disent Unreal ça se joue sur PC, mais bon, c'est vrai que quand celui-là était dispo sur console, bah, c'est vrai que je me suis jeté dessus parce que des copains m'avaient fait découvrir Unreal 2004 sur PC. Comme je joue jamais sur PC, bah, j'étais pourri quoi, mais bon, j'avais bien aimé le concept. Et bon, d'autant plus qu'aujourd'hui on le trouve vraiment à pas cher, 10-12 euros, vous pouvez l'avoir, ce Unreal de 2003. Unreal 3, je veux dire. Donc, bon, là, j'ai plus que 7 points de vie, donc en gros, le prochain duel, je suis mort, normalement. Donc voilà, j'en ai vu un, au fond, il me semble.
Bon, il se retourne, il m'a pas vu. Bon, ben. Hop là. Le coup de l'ennemi aveugle. Plus qu'une mise à mort. 12 points de vie. Ouais, ils sont juste là. En fait, la psychologie se résume très facilement. D'ailleurs, il y a un petit philosophe qui a bien résumé ça. Voilà. Ça, c'est la façon, la bonne façon de résumer la psychologie du jeu. En gros, on arrive sur une carte et on défonce tout ce qui bouge. Là encore, on est en équipe, donc bah, tout ce qui est bleu, bah, on défonce pas. Tout ce qui est rouge, on défonce. Donc, mais il y a des les modes chacun pour soi, bah, c'est l'orgie, quoi. Bon, on va en revenir quand même à la partie. Alors, entre-temps, on a changé, on s'est fait déconnecter. Enfin bon, bref, on a eu un petit bug. En même temps, je sais pas si, si ça vous intéresse vraiment de savoir qu'il y a eu un bug, mais bon. Hein. Ça vous emmerde ce que je raconte ? Non, non. Sinon, n'hésitez pas. Ouais, bon, on va plutôt revenir. Ouais, on sur les paramètres de la partie, on les a changés. On a laissé par contre en moyen parce que, comme je vous dis, Purple Poulet découvre, donc c'est pour que ce soit un peu plus accessible. Et par contre, on a mis 70 kills comme limite de partie. Alors, vous voyez que cette carte est un peu particulière parce qu'il y a des portails pour passer dans différentes dimensions, si on peut dire. Mais par contre, c'est vrai qu'on a mis 70 kills. Et c'est vrai que c'est un peu plus chaud en général de trouver les ennemis. Donc le rythme est peut-être un peu plus lent que dans la partie d'avant parce que la carte est moins resserrée. En tout cas, là sur cette partie, moi et Purple on fait les kills surtout au Link Gun. Alors vous voyez que le principe de Unreal c'est un peu différent des autres FPS quand même, le gameplay. Bon déjà vous voyez que les flingues sont complètement irréalistes, etc. Mais le principe c'est qu'ils ont chacun un tir principal et un tir secondaire. Là vous voyez, je viens de faire le tir principal du Link Gun par exemple, c'est toutes ces petites... enfin les petits lasers verts là, les boules vertes qui partent. Et le tir secondaire c'est le lien qui se fait, l'espèce d'éclair vert. Donc c'est comme ça, il n'y a pas de viseur qui se met en place ou voilà, c'est vraiment un tir principal, un tir secondaire. Chacune des armes a son propre truc. Et surtout, là où le gameplay est très différent, enfin assez différent des autres FPS, et c'est en ça que ce jeu est vraiment intéressant. C'est que ça fonctionne beaucoup à partir d'esquives. Vous allez voir au cours de la partie, c'est vraiment comme ça que ça se joue, avec les esquives. Et deuxième truc, c'est que les projectiles de nos armes sont assez lents à arriver à notre cible. Par rapport à un Call of Duty ou un Battlefield, vous voyez, c'est une balle, donc ça arrive presque instantanément, on va dire, sur l'ennemi. Là, non, pas du tout, c'est assez lent, et donc il faut beaucoup jouer avec les trajectoires des ennemis. Et en plus, comme vous esquivez, bah, c'est assez... faut pas mal anticiper, c'est vraiment intéressant comme gameplay. Et assez différent en même temps. Mais c'est beaucoup plus... On joue avec les sauts, etc. On fait des esquives. C'est vraiment plaisant. Bah, j'essaierai de vous proposer des gameplays seuls aussi sur d'autres modes de jeu. Parce que c'est vraiment un jeu très intéressant. Là, on est en deathmatch tout simple, mais enfin par équipe. Mais il y a d'autres modes de jeu intéressants, il y a beaucoup de cartes. Il y a eu un DLC d'ailleurs qui était totalement gratuit, qui proposait je sais pas combien de cartes avec deux modes de jeu, etc. Et ouais, c'est assez important à souligner parce que par rapport au jeu de base, vous pouvez déjà compter sur, si vous l'achetez maintenant, vous comptez direct sur une douzaine de maps en plus, deux modes de jeu, etc. C'est quand même assez intéressant quoi. Donc je vous ferai des vidéos seules. J'augmenterai le niveau de difficulté quand même parce que là en moyen, vous voyez, 35 à 11, bah, y a qu'une équipe sur le terrain, hein, comme on dit. Y a pas trop de suspense. Mais enfin bref. Donc là on est toujours au Link Gun. C'est vraiment l'arme, on va dire, mon arme de prédilection. Toujours penser à prendre les petits trucs de santé quand on peut. C'est assez space comme carte là, mais c'est vraiment plaisant à jouer quoi.
C'est violent, c'est sûr, mais c'est plaisant à jouer. D'ailleurs, il y en a qui peuvent éventuellement se demander si mon petit frère est assez... N'inquiétez pas, il est assez âgé pour jouer à ce jeu. Normalement, ce jeu est déconseillé au moins de 18 ans. Bon, à partir de 16 ans, ça va. Ça va, franchement. Parce que souvent... bon, je prends par exemple Call of Duty. Sûrement, je ferai des vidéos sur... J'ai fait une vidéo déjà sur la violence dans les jeux vidéo. Je ferai peut-être des trucs sur les limites d'âge, des choses comme ça. On va voir, mais... Un Call of Duty, par exemple, ce qui explique le moins de 18 ans, c'est pas forcément la violence, les armes, etc. Les armes, c'est plutôt du 16, parce que Battlefield, c'est du déconseillé au moins de 16 ans. Pourtant, c'est les graphismes sont plus réalistes, on va dire, que Call of Duty. Mais en fait, ce qui justifie le moins de 18, c'est les scènes choquantes du mode solo, en fait. C'est pas tellement le mode multijoueur, hein. C'est les scènes choquantes du mode solo, et ici, vous les avez pas. Donc c'est vraiment que des arènes comme ça ou des matchs. Voilà, mais à chaque fois que vous tuez quelqu'un, enfin souvent, des fois vous avez... Bah ça fait des gigots, c'est un peu comme, comme Splosion Man, je sais pas si vous connaissez. Splosion Man, bon c'est humoristique et tout, c'est pas du tout déconseillé au moins de 18 ans. Mais comme vous explosez contre vos ennemis, bah ça fait des bouts de gigots par terre. Là c'est un peu pareil. Mais sans le côté dessin animé humoristique, quoi, donc forcément, c'est moins 18. Bon, honnêtement, bon, à partir de 16 ans, ça passe très bien. Alors, vous voyez que, comme je vous disais, cette map, elle est moins resserrée. Il y a des portails, etc., trois portails, trois dimensions différentes. Donc, on cherche un peu plus. Et donc, forcément, elle est déjà plus longue que l'autre partie. Surtout qu'on a mis 70, je sais même pas si on va arriver à temps à les faire. Bon là, vous voyez, du coup, mon cher acolyte Purple Poulet a un peu plus de mal, il est à 11 kills. Mais bon, il s'en sort bien, franchement il s'en sort bien. Je suis imparable. Alors là, vous voyez, esquive, esquive, esquive. Double. Multi. Ultra. Non, méga, ultra. C'est la première fois que je fais une ultra tuerie en fait. Ça tombe bien que ce soit pendant la vidéo. Mais bon. Comme je disais, on est en moyen et... Bah, on se balade quoi, donc... faudra songer une prochaine fois... à augmenter le niveau de difficulté. Mais ouais, j'ai mis une petite réplique tout à l'heure du boulet pour vous dire vraiment fou. Ce jeu, c'est sans prise de tête, on flingue tout ce qui bouge, c'est, je dirais pas de la détente, mais du défouloir. En gros, vous jouez des personnages complètement gonflés à la testostérone, type Sylvestre, vous voyez. C'est pas ma guerre, mon colonel. Et puis le principe, comme dirait Dubosc, c'est des mecs testostérone avec des grosses paires de douilles. Vous introduisez vos douilles dans le canon, et puis vous tirez votre coup. Voilà. Mais non, mais... hein, j'ai le droit, hein, c'est... Déconseillé au moins de 16 ans, le jeu, donc... Bon. Non plus que 10 mises à mort. Je sais pas combien de temps il reste, mais pas beaucoup. Plus que 9. 8, 7... Ça va vite, là, d'un seul coup. Vous voyez, c'est un peu chaud à trouver, des fois, les ennemis, mais bon, quand... Mais souvent ils sont dans... J'ai remarqué qu'ils sont souvent dans cette dimension là quoi. Sur cette carte c'est souvent ici qu'on fait des enchaînements. Puis c'est aussi plus facile que dans les autres. Là c'est tout restreint comme truc, là il y en a un à gauche. Massacre. Vous voyez que même dans la voix le mec c'est complètement bourré de testostérone quoi. Enfin bref. Plus que 5 mises à mort. Allez, allez, allez. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Ça me permettra d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Hein. De laisser vos avis sur la vidéo, sur le commentaire, ou sur l'intro, ou sur n'importe quel point du truc. Comme je vous dis, je vous ferai d'autres vidéos sur ce jeu. Hein. Mais peut-être plutôt tout seul, je verrai ça. Ça dépendra. Allez, allez, plus qu'une.
Winner, winner. Bon, ça aussi, c'est une autre référence à Dubosc. En tout cas, super match. Bien joué, Purple. On se retrouvera pour un autre round. C'était Karedas en direct de la Unreal Arena. Allez, salut à tous.